Salut mon Francky. Ça va-tu bien bien? Ouais, nickel, et toi? Tranquille, ouais. Ouais, tranquille, toi. Tu viens faire le coup du soir? Je l'avais dit. Ah, je suis bien arrivé, dis donc. Allez, dedans. Bien joué, mon Lolo. En voilà une jolie commune. Super. Prise vachement rapidement, au bout d'une heure de pêche, à peu près. Donc avec la Hautrange, bille très rapide. La preuve en est. Superbe. Bien joué, Lolo. Bon, alors, tu viens faire ton petit coup du soir? Bah ouais, tu vois, une petite pêche rapide en soirée, là. Bon, bah, c'est bien, c'est super. Donc, ouais, tranquille. Donc, je voulais que tu emmenais les bouillettes hot range. J'ai vu les fameuses bouillettes hot range. Ouais. Ouais, c'est les billes rapides pour justement les coups du soir, comme ça, pour pêcher quelques heures. D'accord, mais c'est les billes que vous avez testées l'année dernière, ça, en 2019? C'est ça. Alors, c'est ça, ouais. Explique-moi comment ça se passe, les tests au niveau de dépendance. Eh bien, bah pour les Hautranges, je l'ai testé tout au long de l'année 2019, donc je peux t'expliquer facilement. C'est en fait, dans un premier temps, Florent Dessort nous a envoyé une recette, un prototype d'une bille très épicée, ouais, qui a pour but d'avoir des actions très rapides. D'accord. Donc, chez Dépendance, on met en concurrence avec une autre bille pour pouvoir donner des résultats. Il ne suffit pas qu'elle prenne du poisson, il faut vraiment la mettre en concurrence. D'accord. Donc là, c'était avec la Red Angel, mmh, une bille de la gamme réputée très rapide aussi, bon, sur toutes les eaux, sur toutes sortes d'eau. Et donc sur la première recette, le premier prototype, il s'est avéré que la Hautrange ne prenait pas plus de poissons que la Red Angel. C'était à peu près similaire. Donc on a remonté les informations à Flo, ouais, qui nous a renvoyé une deuxième recette, qu'on a continué à mettre en concurrence contre la Red Angel. Et là, par contre, il s'est avéré que là, les touches étaient beaucoup plus rapides et on prenait pas mal de poissons en quelques heures. D'accord. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en concurrence une deuxième fois contre des Hardwater. Les Hardwater, ce sont des billes best-seller de la gamme, ouais, très polyvalentes et qui prennent beaucoup de poissons. Et ça a bien marché au départ. Mmh. La Hautrange prenait beaucoup de poissons. Et puis, sur le temps, on se rendait compte que les touches s'espaçaient, les départs s'espaçaient. D'accord. Et la Hardwater prenait le dessus sur la Hautrange. Ok. Mais suite à ça, Florent, il a trouvé quoi comme solution par rapport à la Hardwater? Eh bien, écoute, il nous a renvoyé deux recettes de Hautrange, qu'on a appelées la A et la B. Mmh. Puis on les a mis en concurrence pendant plusieurs mois. Et il s'est avéré que sur le long terme, il y avait une des deux recettes, qui fonctionnait très très bien. D'accord, sur toutes les eaux? Oui, sur toutes les eaux, avec des pH différents, et ce, sur tous les testeurs. Les remontées ont été flagrantes. D'accord. Il y avait une recette sur le long terme qui marchait bien. Donc on s'est arrêté à cette dernière recette. D'accord. Qui a donné naissance à toute cette gamme. D'accord. Donc la bille dense que tu as dans les mains. Ça sent, hein. Ouais, ça envoie, hein, c'est très très épicé. D'accord. Et puis parmi la gamme, tu as les flottantes. Ok. Ça. Là, tu as ces nouveaux sur le site, c'est un nouveau produit, c'est un booster en action de pêche. Tu peux booster ta bille, c'est très très bien. D'accord. Donc pour les pêches rapides, très efficace. Quoi. Très efficace pour les pêches rapides. Ouais. Et ça? Ça, c'est une pâte d'enrobage. D'accord. Neutre, qui sert aussi à stimuler le poisson. D'accord. Et puis après, tu as encore les billes renforcées, allégées. D'accord. Voilà, tu as toute la gamme devant toi. Tout ce qu'il faut pour pêcher le petit coup du soir. Quoi. C'est ça, très bien. Bah, super. Bah, je te remercie, mon Lolo, pour toutes ces explications. Mais de rien, je vois que les tests sont pas faits à la légère chez Dépendance. Quoi. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, écoute, en attendant un départ, je te paye une petite bière, mon Francky. Allez, avec grand plaisir.